Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve donc pour le troisième épisode sur Rugby Union Team Manager 3, donc avec le club du Biarritz Olympique, qu'on va essayer de faire refaire monter en top 14. Pour l'instant, on a fait 3 matchs, 2 gagnés, 1 perdu. Et là, on va jouer à domicile pour la réception d'Oyonnax. Alors, on a pas mal de blessés. On a 8 joueurs blessés. On a un joueur suspendu. Voilà, ben on va essayer de faire au mieux. Donc, Oyonnax, qui est un club qui descend de top 14, donc qui pour l'instant a gagné qu'un seul match et qui a un très bon effectif. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Hein. On va aller voir déjà la compo. Tech, la compo. Alors, où sommes-nous? Ici, les joueurs. La sélection de l'équipe. On avait fait tourner lors du dernier match. Donc, on va remettre nos titulaires en place. Donc, Vatremez à gauche. Au talon. Ruffenac. À droite, on a mis Sinagel. On va remettre Shimon Bessonard. Hop, du coup, il faut que je remette un pilier droit en remplaçant, sachant qu'un pilier droit, on n'en a que 3, dont un qui est blessé, donc on n'a pas beaucoup de choix. Un pilier droit titulaire. En deuxième ligne, on avait une blessure dans Saint-Cher qui est suspendue. On n'a pas beaucoup de choix non plus en deuxième ligne. Hein. On est assez restreint à ce poste-là. On va peut-être faire jouer 8 à la place d'Aloïte. Alors, voyons. Deuxième ligne. Alors, on a dit Alouit, mêlée, 59 en mêlée, 77 en touche, 77, 58. Ouais, c'est très proche les deux. C'est très proche les deux, on va laisser comme ça. Ok, troisième ligne, on avait fait tourner, on va remettre notre troisième ligne titulaire, Irigoyen et Grando. Tac. Voilà, troisième centre, c'est pareil, on avait fait tourner. On va remettre Jordan Joseph, qui est notre titulaire. Kouyou, on avait laissé demi-mêlée, demi-ouverture, les mêmes. On avait fait tourner un deuxième centre parce qu'il y avait une blessure. Est-ce qu'il est revenu de blessure? Okay. Donc on va remettre Brioc, Plessis, les ailiers et l'arrière, on n'avait pas changé. On va laisser comme ça. On va checker quand même Stark si. On peut le changer. Stark. On n'a pas grand-chose après. Donc on va laisser comme ça. On va laisser Shimoun le cul à l'arrière. Et on va partir comme ça. Allez. Ok. Alors il faut que je mette un capitaine pour le match. Ça va être notre troisième ligne. Allez, on va partir avec Guirlando capitaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, je l'ai pas bien. Ok. Je me réveille aujourd'hui. Donc on est parti. Alors,
Oh, il y en a 90 aptitudes, on a 98, on a à peu près pareil, moral on a à peu près pareil, en technique ils sont bien meilleurs que nous. Ils ont Peter Vanille, joueur qui jouait à l'aviron, très bon joueur. Bon, on va essayer de faire de notre mieux, hein. Ça va être compliqué ce match, je vous le dis de suite. Allez, faut pas qu'on perde à la maison. Match qui veut pas démarrer. Ah, c'est parti. Bon, toujours pareil, caméra latérale. Celle-là. Non. Celle-là. Ok. On va accélérer un peu la vitesse de match. Hop là, c'est parti. Bon, allez. Hop, c'est parti. Comme d'hab, vous connaissez maintenant, on joue avec trois quarts. C'est notre stratégie. Voilà, ça passe. On a des très bons trois quarts. Hein. Après, devant, on est plus juste. Hop, 5-0. Allez. Ah, on va durcir les plaquages un peu. On va essayer d'aller gratter le ballon dans le regroupement. Ah, on a pris une pénalité contre nous. Allez, il faut défendre. Faut défendre, les gars. Allez. J'ai mis l'intensité sur le placard. Allez, voilà. Voilà la réponse de Oyonnax. Pas fait attendre, 7 partout. Allez. Sur les le problème, c'est qu'on a des troisièmes lignes qui sont. C'est pas des gratteurs. Dans les molles, on récupère très très peu de ballons. Je dis ça, on vient de récupérer un du coup. Allez, on va jouer sur les trois quarts toujours. Oh, putain, on se fait encore pénaliser sur le molle. Allez, allez. Allez, on a pris une pénalité. 10 à 7. Ce que je disais, ça va être compliqué. On commet beaucoup de fautes. Du coup, c'est. Allez, on remonte le ballon à la main. Allez. Allez. On peut le faire. Oh, quel bouchon, moi. Oh, on a perdu le ballon. Putain, on a fait en avant, on a perdu le ballon. Allez, on commet nos fautes. Hop, je vais aller checker un peu mes joueurs. On commet beaucoup de fautes. Hein. À bientôt à la mi-temps. Perd 10 à 7. Allez, 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 allez. C'est bon, ils ont reculé. Passe au pied. Allez, on y va. Allez, les gars. Oh, mais là, putain! Carton, là, monsieur l'arbitre. Le carton. Allez, vous pouvez le faire. Allez, mais le. Allez, le soutien a mis du temps. On a notre numéro 10 là. Il est mou, c'est incroyable. C'est. Il y a un Perrault là, c'est grave quoi, comme il est mou. Hein. Bon, mais c'est la mi-temps. On perd 10 à 7. On va checker l'état de forme de nos joueurs. Tac, 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 tac. On va laisser comme ça. Votre MS est à 58% de fatigue. Allez. Allez. On ouvre. Oh mais attends, je prends des bouchons à chaque fois là. Putain, mais en mêlée, on se fait bousculer. Bon, allez. On va faire tourner. En mêlée, on se fait défoncer. Hop, on va changer toute la première ligne. Ça va être compliqué si en mêlée on se fait bouger comme ça, si on perd tous les ballons en mêlée. Comprenez pourquoi je joue pas trop avec les avants. Allez, 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 allez. Putain. Ils sont deux, ils n'arrivent pas à gratter le ballon. Putain. Allez. Ah, on s'est fait transpercer en plus. Oh, là, 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 là. Bon, mais ça va être compliqué les gars. Ça va être très très compliqué d'aller gagner ce match. Ça va être compliqué, j'ai pas en troisième ligne, on n'a pas ce qu'il faut. Allez, on a récupéré le ballon. Allez.
Allez, allez. Mais Perrault, allez, putain, mais cours un peu. Voilà, Shimoun. C'est ça qu'il faut. Bon, on a loupé la pénalité, ça c'est pas terrible. Je crois qu'il faut des points. 60e minute. Bon, tac, 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 deuxième ligne. Deuxième ligne, on va faire tourner. Il nous faut du 109. Joseph, il est cuit. Allez. On va faire tous nos remplacements. Enfin, tous nos remplacements. Bonne partie de nos remplacements. Allez. Allez. Allez, allez, Perrault, putain, cours! Oh, Shimoun qui fait un gros match. Qu'est-ce qu'il est là, ce... Oh, c'est impressionnant comment il est là, hein, notre ouvreur. Il joue à 2 à l'heure, quoi. Allez, allez, cours, putain! On s'est fait arrêter. Allez, oh, on a perdu le ballon. Perdu le ballon. Allez. Oui, c'est bon, on a récupéré le ballon. Allez, joue. Allez, allez. Cours, Forest. Allez. Putain. Oh, lui, il me fait mal au cœur quand je le vois. C'est incroyable. Hein, moi, je veux le changer. Non, c'est pas possible. Je peux pas jouer avec un joueur comme ça. Allez. Putain. Allez. Vous allez me le mettre, cet essai. Allez. Oui, il est passé, il est passé. Ah, putain, il a été plaqué. Allez. On continue, continue, continue. Allez. On est dans les arrêts de jeu. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Allez. Putain, mais lui, il avance pas. Il me fait de la peine. Hein. Allez. Oh, putain. On va pas passer. Hein. On va pas gagner ce match, les gars. Bon, pénalité. Qu'est-ce que vous voulez faire comme pénalité? Si on. On va taper en touche, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Pénalité, ça suffit pas. Allez. Allez, oui, un mol porté directement derrière le. Voilà! C'est bien, les gars. 17 partout, tu la passes. Pouah, on a gagné. Ouh. Voilà, les gars. Je sais pas comment on a gagné ce match. Devant, on s'est fait bouffer. Sur les molles, on s'est fait bouffer. Homme du match, Shimoun du cube. Bon, ouais, il a fait un gros match, notre arrière. Il a une note de 95 sur 100. Très très gros match. Perrault, je peux pas. Je pense que je vais. C'est notre 10 titulaire. Voilà, il est en précision pile à 71. Mais c'est trop. Moi, je peux pas le voir jouer. Ça me fait mal au cœur. 67 en vitesse, 69 en accélération, et il se traîne quoi. Prochain match, on va essayer de donner la chance à un autre joueur parce que. Bon, et bien les gars, on revient de loin. Je sais pas comment on s'en sort de ce match. Tout le monde a joué 4 matchs, oui. Donc ben, on a gagné une place, on est quatrième. Voilà, c'est notre objectif et l'objectif du club c'est jouer la finale. On a toujours 8 blessés. On est aussi, pour ceux qui me rejoignent, je suis aussi sélectionneur de l'équipe du Japon. Donc on va bientôt avoir des matchs internationaux le 2, ouais, le 2 novembre. Le 2 novembre, on est le 15 septembre. Alors, voyons, victoire, ouais. Le courrier, on va avancer le match jusqu'à la préparation du prochain match. Alors, le prochain match, on va se déplacer dans les Charentes, Angoulême qui est 7e. Alors, est-ce qu'on a du courrier? Ah, j'ai même pas eu le temps de le voir. Offre de transfert, offre de transfert d'un joueur espoir. Non, on fait pas de vente, on a dit qu'on pour l'instant. On a de l'argent, on n'est pas dans le rouge. Léo Bastière, notre deuxième ligne qui est blessé pour 8 semaines. Lésion des ligaments genoux, ça nous fait mal. Un blessé de plus. Un blessé de plus. Ça va pas facile, mais. On a pas un gros banc. Hein. On a choisi de pas recruter énormément de joueurs. On va recruter un deuxième centre, un troisième ligne centre, quelques postes clés. Il
Je voulais essayer d'engranger un maximum d'argent pour essayer de démarrer en tout cas la saison prochaine top 14 avec un maximum de recrutement. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Bon, là pour l'instant, on a un solde à 3 millions, donc ce qui est énorme. Hein. Voilà, on va essayer de voir si on peut faire avec ça. Pour l'instant, on est dans le plan de marche et on a vu qu'on avait des grosses lacunes en troisième ligne. Je sais pas si on va pouvoir. Ben on va essayer de jouer ce joueur en deuxième ligne. C'est pareil, on n'a pas de banc. On vient de blesser en deuxième ligne. Dans les jeunes, j'ai pas de jeunes qui sont capables d'évoluer encore en poste de titulaire. On va essayer, on va voir. On va essayer de reculer au maximum le recrutement. Si on regarde les stats pour l'instant de la saison, Gaëtan Robert qui était, ben je pense que je vais, c'est notre deuxième demi d'ouverture. Il a passé 104 points, je pense que je vais le remettre en titulaire parce que l'autre je peux plus. On va le mettre un peu au repos, il n'avance pas. Meilleur marqueur d'essai, c'est Koudou, notre demi de mêlée, 15 essais. Couillou aussi, majorité des mètres gagnés, il a gagné 1000 mètres. Voilà. Porteur de ballon, Jonathan Joseph, troisième ligne. Alors oui, on a des mails. Offre de transfert, on refuse. Tac, 6 jours avant le match, on va avancer encore. Ah oui, il faut que je fasse notre programme d'entraînement. Donc là, on a un match ici. On a un match là. Donc ça, il faut que j'enlève ça. Ici, on va se mettre. Alors là, c'est les tactiques des avants. Hein. Tactiques des avants. Hop, hop. On va leur faire puissance. Mêlée. On s'est fait remuer un peu en mêlée. Donc on va travailler ça ici. Tac, 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 un peu de puissance. Défense. Ici, on va les mettre au repos. Ici, on va leur donner une journée de repos après le match. Et on va faire travailler la défense. Pas de séance muscu. Pourtant, pour les avant, les trois quarts. Les trois quarts ici, c'est pareil. On va enlever ça. Tac. On va enlever ça. On va les mettre au repos le samedi. Hop. Et attaque sans opposition. Et allez, un peu de repos quand même. On va les faire travailler juste une séance le dimanche. Et là, on n'est pas trop mal. Ici, attaque sans opposition. De la défense, j'en ai mis là. Coup de pied, coup de pied, coup de pied longue distance. On n'a pas mis de séance. Coup de pied longue distance. Ah, on est pas mal. On va avancer pour se préparer pour le prochain match. Et comme vous savez, je fais chaque fois un match par épisode. Comme ça vous fait des vidéos qui sont pas trop longues. Et on fera donc le match prochain dans la prochaine vidéo. Donc on est à un match. Alors encore une offre de transfert, on se la fait. On refuse toujours. J'ai encore un blessé, un torse du genou une semaine. C'est décidément les blessures ça. 9 blessés, un suspendu. Bon. Et prochain match, donc on va jouer en déplacement. Dans les Charentes, on fera tourner l'effectif, notamment le 10. Il faudra qu'on va jouer notre 10 qu'on a mis en début de saison. Bon, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Mais du coup, je vous donne rendez-vous sur le prochain match. Et merci encore de me suivre sur cette belle série. Et n'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on modifie, si vous avez des idées. Surtout, je serais content que vous mettiez vos commentaires. Allez, merci, puis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci.